Comment? Secoue-moi! C'est le thé? Voilà. C'est le warman du thé à terre. Enfin, tu marques le sous-sol. Comment, c'est comment, là? Bon, j'ai fait cette petite vidéo pour parler un peu du sujet qui chauffe sur le terrain. D'abord, je voulais commencer par remercier tous ceux qui ont contribué pour la cagnotte qu'on avait lancée pour la maman anglophone, là. Pour ceux qui se souviennent, il y a 2 mois, il y a une maman qui pleurait dans la forêt. J'ai mis la photo. On a lancé ça à donner l'équivalent de 2 427 euros. Et j'avais bloqué cela pour les recherches. J'ai contacté certains organismes comme la fondation que vous connaissez bien, Aya Fondation. On a cherché. Ils m'ont dit que ce n'était pas évident. Les frontières fermées, la forêt. On n'a pas pu trouver la maman. Donc, j'ai décidé de remettre ça pour qu'on puisse donner à la population anglophone, parce que je ne peux pas garder l'argent indéfiniment. 2 mois déjà, c'est beaucoup. Vous savez, avec les Camerounais, l'argent, je préfère me débarrasser un peu. Donc, j'ai lancé ça sur le terrain avec Tata pour a lancé le sondage. Vous avez demandé qu'il fallait que la Wapi s'en occupe. Et hier, l'équipe Gladys et Langri, la Wapi se sont déplacés à Bekoko. C'est Védois là. Ils ont rencontré la population dans la détresse. Les déplacés, les veuves, les jeunes hommes, les mamans, les enfants. Et j'ai lancé ça hier pour expliquer que nous allons faire une descente là-bas. Nous allons utiliser cet argent pour acheter les fournitures, les besoins, les trucs pour les mamans, les enfants. On va faire cette descente peut-être cette semaine. On va plus parler de voir comment on va faire. Donc voilà, j'ai lancé ce. Pour ceux qui veulent aussi contribuer, qui n'avaient pas contribué, vous pouvez tout contribuer. Tout cet argent va servir, n'est-ce pas, à donner à nos compatriotes anglophones qui sont dans la détresse. C'est notre rôle, la Wapipel. Nous, la Wapipel, nous allons vers la population où qu'il soit. La Wapipel va partout, sans aucune limite. Nous sommes là pour le bas peuple. Nous essayons de donner un peu de joie. On ne va pas changer la situation. On ne va pas donner plus que ça. Mais on peut aussi passer par notre petit canot là, donner un peu de sourire, un peu de bonheur. Et sur la page, on continue de parler de Ndolo, de tasse, de tout ce que vous voulez. C'est le roi du Warman, du TNT. Ouais, mais non, bref. Donc, merci à tous. Donc, contribuez, contribuez. Allez-y, il y a la cagnotte. Vous pouvez contacter Paul ou contacter Gladys, ceux qui ont les matériaux à donner. On va lancer le jour, peut-être c'est samedi. On va voir si c'est samedi pour descendre à Bekoko. Ceux qui ont les matériaux là, les trucs des femmes, les trucs des enfants, vous venez avec ça samedi, on va donner à la population. Donc on vous attend, on va lancer ça, vous allez comprendre les indications pour l'heure et tout ça. Bref, merci. Et je voulais aussi parler du sujet de la RSE qui est tombée sur un garçon. Elle avait un gars au Cameroun. Ah, en tout cas, Wama va parler, ça va énerver encore ici. Pourquoi? Parce que les statistiques sont claires. La plupart des femmes qui quittent le Cameroun pour aller en Europe, 99% des femmes banques, les gars du Cameroun, c'est déchets là. Et les banques, pourquoi? Parce qu'en Europe, ce n'est pas évident. En Europe, c'est la chasse. Quand une fille arrive du Cameroun et qu'elle est jolie, c'est la grague. Les gars qui sont là, les ingénieurs, je veux parler des ingénieurs, les docteurs, tout ça là. La grague, on la promet la lune avec la voiture, surtout quand elle a les fesses, elle est un peu belle là. Les gars, la grague, elle se prend pour une grâce des cas. Elle voit les gragues tous les jours. C'est comme ça que les gars donnent les tasses, ils fuient. Ils donnent les tasses, ils fuient. Elle banque les gars du Cameroun. Au bout de 3 mois, merci. Parfois, au bout d'un mois, c'est toi à banquer. Le soir, elle a resté là à banquer son gars au Cameroun. Elle est arrivée ici. Et puis, elle est tombée sur les ingénieurs, docteurs, machin, qui ont binda, ils ont pire. Elle est même restée. Elle a même mis un mouna. Maintenant, elle veut retrouver le gars au Cameroun. Le gars a gagné le tout de. Voilà. Le terrain américain. Et il ne veut plus la voir. Elle vient maintenant mettre sur le terrain. Je vais dire à ces Camerounais tous. Sachez une chose, c'est que les gens vivent trop dans l'apparence. C'est-à-dire que certaines de mes sœurs, les filles, mes soeurs camerounaises, ce qui vous tue, c'est l'apparence. Ce qui vous tue, c'est le m'as-tu vu. Vous fantasmez beaucoup sur les ingénieurs, docteurs, médecins en Europe. Je vais parler un peu des ingénieurs et des docteurs, médecins. C'est Wama qui vous parle. Vous savez, vous, les femmes, en termes de statistiques, la plupart des Camerounais qui font des économies ne sont pas toujours les ingénieurs, docteurs. Vous savez pourquoi? Quand un Camerounais est ingénieur, docteur, vous savez le parcours? En général, ce sont les enfants de barrière. Gens école. En général, ils sont forts à l'école. Les Camerounais sont très intelligents, c'est vrai. Mais en matière de grades, ils ne sont pas souvent très forts. Ils sont dans les universités en Allemagne, en France, partout. Ils vont à l'école, ils sont en jachère. Tous les soirs, c'est dove, c'est sur 3 mètres. Ce n'est pas des gragueurs. À l'école, il y a les ngawat, les balles perdues, les déchets. Ils ne graguent pas. Ils vont à l'école et les filles noient les bas à ce moment parce qu'ils sont encore au cours de langue, ils sont encore étudiants. Quand ils finissent ingénieur, ils doivent binda, ma chérie. Quand un Camerounais finit docteur, c'est le seul titre qu'il a. C'est comme un passeport éternel. Avec ça, il doit minda, il doit s'amuser. Donc, toi qui arrives du Cameroun, un peu joli, avec les fermes encore fraîches, tu n'es pas encore gâté sur le territoire européen, il vient vers toi parce qu'il veut aussi toucher une belle fille avec son titre. Et l'ingénieur, docteur camerounais, a obligé d'avoir l'apparence d'un docteur. Il n'est pas comme un petit vendeur de un laveur de voiture ou un petit cuisinier. Il doit avoir une belle voiture. C'est comme ça qu'il dépense. Il doit te prouver qu'il a l'argent. C'est comme ça qu'il dépense. C'est pour ça que vous allez voir, en termes de statistiques, 10 ingénieurs camerounais, prenons l'exemple sur l'Allemagne, 10 ingénieurs camerounais en Allemagne qui travaillent, à la fin d'année, demandez sur les 10 ingénieurs combien ont 3 000 euros dans le compte bancaire.
Wama vous dit, tu dis ingénieur, en fin d'année, autre 2 pour avoir 3 000 euros. Vous savez pourquoi? Il doit bien s'habiller. Il doit avoir une voiture neuve. Il ne peut pas rouler avec l'épaule pour la voiture de Wama parce que c'est un ingénieur. Il doit avoir le titre. Il doit prouver le titre. Et il doit dire dans tous les anniversaires. Il doit dire, bah, et les filles, quand même, quand elles voient ça, elles sont fantasmées. Donc, plus l'ingénieur sort avec les filles, quand même, plus il dépense. S'il s'amuse, si un ingénieur n'est pas fort, il n'aura jamais d'argent. Parce qu'il doit toujours prouver. Donc, t'as ingénieur. Les femmes croient qu'ils ont trop d'argent. Non, cet argent, c'est pour vous impressionner. Il doit mbinda. Lui, c'est bien que tu viennes vers lui parce qu'il est ingénieur. C'est comme ça qu'il fuit. L'autre docteur prend, il fuit. Le banquier prend, il fuit. Tu laisses le petit gars qui est là-bas, qui est petit soudeur, qui est peut-être laveur de plats. C'est souvent eux qui ont moins de succès, qui gardent souvent l'argent. Ce sont eux qui ont souvent moins de succès, qui ont plus d'argent. Peut-être que c'est à Bruxelles, vous allez voir ce qu'on appelle les chipoteurs. Ces gars ont l'argent parce qu'ils sont moins sollicités. Donc, l'argent, ils arrivent à les garder. Les gars docteurs, les gars qui sont dans les banques, ils ont les gars partout, les fesses partout. Ils ne font pas d'économie en général. Je vous dis ça, c'est la sociologie du Warman. Vérifiez, vous venez me dire. Maintenant, pour ma soeur, tu as fait l'erreur fondamentale. Tu as barré ton gars du Cameroun. Tu l'as barré, il a été humilié. Sais-tu ce qu'un gars du Cameroun ressent quand vous l'avez barré? Vous savez le soleil de Douala et les montagnes de Yaoundé? Vous savez comment on se moquait de lui? Déjà, on lui a dit que ton gars va te barrer avant de partir. Finalement, tu l'as barré et tu as accouché. Et tu veux qu'il revienne prendre encore le reste. Il ne peut plus, il te déteste. Il te méprise. Il est capable que même si tous les femmes finissent sur terre, il ne peut pas te reprendre, ma chérie. Tu es fini pour lui. Tu es déjà mort et enterré. Il sait que tu es un danger. Aujourd'hui, tu regrettes. C'est toujours comme ça. Vous ne regardez jamais le potentiel. Vous regardez toujours le m'as-tu vu. Vous, les femmes, apprenez à lire le potentiel. Donc, un homme est battant. Le gars t'a envoyé l'argent du Cameroun. Il avait du potentiel. Il t'aimait. Il t'appréciait. Tu devais regarder le potentiel à venir. Tu as regardé le matu, les produits finis de Mbé. Les gars de Mbé avaient les voitures pour t'imbinder parce que tu es joli. Ils versent les laits, ils fuient. Voilà aujourd'hui. Et c'est la même chose tout le temps. Elle fantasme sur les ingénieurs. Elle fantasme sur les docteurs. Elle fantasme sur les. Et ces gars ont les voitures pour vous apprécier. Parce que c'est quand une fille, quand même, en général, entre dans une belle voiture, les pieds tremblent. Les gars le savent. Ils utilisent ça pour vous flasher. Vous ne voulez pas regarder le gars qui est à côté de toi, qui a un petit beau-aïeul là, le gars qui a un petit coup de langue, pour construire une vie avec lui, en espérant que ça marche. En général, quand tu construis avec un homme, souvent ça marche en général. Mais quand vous allez vers les produits finis, parce que vous êtes joli qu'il est qui. Quand il a pissé, il fuit, parce que tu ne représentes plus rien. Tu n'avais que ton corps. Et toi, dans ta tête, ah, je suis joli, j'ai les fesses, je suis belle, j'ai les gros seins. Il va m'épouser. On n'épouse pas une femme parce qu'elle a les gros seins. On n'épouse pas une femme parce qu'elle a des fêtes. On épouse une femme parce qu'elle a des valeurs qui nous correspondent. Elle a les mentalités qui nous correspondent. Un homme t'épouse parce que c'est que tu l'apprécies, parce qu'il est ça. Parce qu'il est normal. Mais pas parce qu'il est docteur. S'il sait que parce qu'il est docteur, il sait que tu es là parce qu'il est docteur. Tôt ou tard, il pire parce qu'il sait que tu vas fuir. Voilà le sujet de la fille. Que ça serve de leçon à certaines de mes soeurs. Arrêtez de viser la finition. Regardez souvent le potentiel de non. La gentillesse, c'est mieux. Je sais qu'il y a aussi des gars que parfois tu es genre, tu le prends bien dans le game, après là, j'ai pas. Il y a aussi les hommes malhonnêtes. On le sait. Mais dans ce sujet, c'est un sujet qui nous montre l'exemple et ce qui se passe en Bengue. Beaucoup de filles qui quittent le Cameroun, quand elles atterrissent en Bengue, elles ont des gragues tous les jours. J'ai déjà expliqué dans mon compte élevé comment ces gars vous graguent parce qu'ils se disent que vous n'avez pas eu les mangalas en Europe. Vous êtes venu du Cameroun, encore peigna, ils doivent verser. Et ils viennent avec des voitures, ils arrivent vous amènent dans les magasins, et ils vont vous déposer. Vous vous sentez une princesse. C'est quand ils mindent une fois, deux fois, trois fois, ils fuient. C'est là où tu regrettes toujours. La plupart des filles qui ont marqué le gars du Cameroun, elles regrettent toujours. Toujours, toujours. Mais il est trop tard. Chacun doit assumer son courant. Et vous voulez parler aux ingénieurs, docteur. Écoutez-moi bien, les gars. Le Camerounais ici en Bengue, j'ai déjà parlé des ingénieurs, docteur. Je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez être engagé, vous les ingénieurs. Comment peut-on être dans une école en Allemagne 5 ans? On ne mbinda pas en tant qu'homme. Le Camerounais est l'homme africain qui a le physique le plus attrayant. Les Camerounais sont eux ont le physique le plus agréable. Nous ne sommes pas vilains devant même les pays africains. Regardez bien. Le Camerounais souvent est costaud. Souvent même quand il est petit, il est agréable. Le Camerounais s'exprime bien en français. Le Camerounais est intelligent. Le Camerounais a une apparence qui plaît les femmes africaines, monsieur. Même les femmes mécates. Comment se fait-il que dans les universités en Europe, en Allemagne, en France, partout, vous êtes en jachère? Alors qu'il y a les balles perdues, il y a les déchets à côté, un buisson. C'est parce que vous n'avez pas suivi la formation du Ouattara. Vous avez grandi dans la peur. Vous êtes assis à l'école, il y a les ngawats ici, les déchets, il y a les balles perdues. Vous ne pouvez pas la flatter, leur donner une tasse. Vous fiez quoi? Vous n'avez pas suivi la formation. Il faut apprendre la formation qu'un homme qui vient à Zachère, un Camerounais qui a tous les avantages physiques, qui manque dans une école. Dans une école, c'est comme un loup dans un poulailler. Tu fais 5 ans dans une étude, tu parles la langue allemande, tu parles la langue française, et tu l'as cherché.
Parce que les filles noires sont dures. Entre temps, les filles noires sont dures. Dans la tasse, libère ton corps. L'esprit suivra. Hein, les gars? Et vous finissez l'école. Quand vous sortez ingénieur, vous avez une revanche à prendre. Vous prenez votre titre pour Minda, comme des affamés. C'est-à-dire que vous devez rentabiliser la Minda. C'est comme ça que vous-même, l'argent vous dépensez, vous ne faites pas d'économie parce que vous avez fini l'école, vous devez Minda beaucoup. Et plus tu cherches les femmes, plus tu les penses. C'est une réalité implacable. Apprenez à vous battre même dans un buisson à côté. Apprenez à aller vers l'engageur. Mets ton petit chapeau, tu donnes ta tasse. Tu auras moins de frustration. Tu vas bien aller à l'école. Arrêtez d'avoir peur. Je ne comprends pas comment tu peux dans cette cas. Moi, quand vous voyez un étudiant camerounais qui a un côté un peu cartésien, il est efficace. Tu es dans une université aux États-Unis, tu es dans une université en Angleterre, à côté de toi, il y a les balles perdues. Tu es un Camerounais qui a les physiques les plus agréés en Afrique. Tu fiers. Tu dis à la vie, ma chérie, c'est comment? Et toi, c'est comment pressé? Et toi? Elle te dit, mais tu me trouves comment? Tu dis, tu es même belle plus que Sharon Stone, mes gars. Tu es belle plus que Sharon Stone. Elle dit, à moi, au sol. C'est tout. Donc, les gars, soyez courageux. Vous allez faire des économies. Le problème de certains gens font des économies à cause de la chasse. Plus chasser les grosses fers parce que vous devez le rentabiliser, plus vous devenez un gamin, plus ça fait d'années, vous n'avez rien. Alors que le gars qui a moins d'attrait fait l'économie. C'est une statistique de Waman. Et pour mes soeurs, ah, les quotas. Ah, les femmes, vous tombez dans le trou, il est longs yeux. Vous êtes jolie, c'est vrai. Vous êtes belle, c'est vrai. Mais regardez le potentiel. Le gars qui t'a pif dans le game, c'est lui que tu dois regarder. Attention aux ingénieurs. Attention aux docteurs. Attention aux titres, aux grosses voitures, belles chimie. Tu n'es pas la seule. Hein. Dans les anniversaires, les femmes sont derrière. Ils te mindent. Ils piaquent. Tu perds le courant et après tu regrettes. Tu veux revenir donner le reste des fesses à ce garçon du Cameroun. Tu crois qu'il est le déchet, Isaac, quand tu vas prendre le reste, ma chérie. C'est la réalité. Tu perds ton courage, tu perds le Kama Kabaralaï. C'était le conseil de Waman. En tout cas, chacun doit tenir son côté. Moi, je vous dis, ce n'est pas parce que nous, les Waman, moi, j'étais Ngondis, hein. J'étais dans le Ngunda. J'ai vu cette fille caméra que j'ai même seulement essayé à l'époque de dire à la fille, c'est bien, voilà. Vraiment un demandeur d'asile comme ça. Tu me parles, tu m'as bien regardé. Le gars de Bilongala qui bava partout, là, tu me gragues. Elle a dit ça. Tu me gragues, regarde-toi. Tu viens des quartiers d'ici, tu n'as même pas de diplôme, mais tu me gragues, tu as vu mon corps, tu as vu mon screen, tu peux monter sur moi, toi, le Warman. Si. Aujourd'hui, tu es où, ma chérie? Aujourd'hui, je suis le Warman du théâtre. Adam Brice, je suis le champion du monde. Viens maintenant me parler encore que j'étais demandé d'asile. Je vais te dire que Menli Tachamzine, sexy barbante, je suis KO, on va ma grâce de Kala, on va te déchirer mes yeux, je vais te déchirer à ton chaos, non? Je parle comme ça. Je me dis, le gars, voilà. En tout cas, c'est un conseil que vous donnez. Quand vous nous barrez, quand on est dans le game, quand on brise, on a les nerfs. Nous, on veut le haut niveau. On ne veut plus les déchets. Là. On ne veut plus les anciens faire du temps d'Aïdjo. On veut les payer. On veut la Mabdou là, qui oh, ouais, ma chou, oh mon lion, tu m'embrasses, ça me fait du goût. J'ai, ah, ma chérie, oh ma princesse, l'amour de toute une vie. Je suis impressionné par tant de charme. Tu es magnifique, tu es élégant. Quand je te regarde, mon cœur fait poum, poum, poum. Je suis fou d'amour pour toi, belle princesse, belle plan. C'est toi, maman. Bon, moi, tu vas capter un peu. Benzi, bon amour, que tu es ingénieur, docteur. Que tu es baba, tu es un Cameroun. À la maison, il y a un Cameroun, il y a un Cameroun, il y a un Cameroun, il y a un ingénieur, il y a un docteur, il y a un Cameroun, 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 il y a Alors, on dit que, on dit que, l'éternel retour du concret, on fait comme ça. Tchatchipunke, menga, makbazo.